Cette histoire de protection, on va commencer simple. On se doute que comme le champignon est sur la racine, il va pouvoir la protéger. Et je vais vous montrer qu'il la protège en effet, cette racine, de plusieurs choses. D'abord, des problèmes physico-chimiques. Parce que dans le sol, il peut y avoir des particules, des molécules, des trucs qui ne sont pas comestibles ou qui ne sont pas bons pour la santé des plantes ou des racines. Alors un truc qui traîne dans le sol, éventuellement, c'est le calcaire. Vous savez que le calcium, c'est un problème pour la plante parce qu'il rentre et la plante n'a pas de moyen de le rejeter dehors. Alors souvent, elle le fait précipiter dans la vacuole de la cellule, elle l'entasse dans les feuilles mortes ou qui vont mourir parce que c'est une façon de le rejeter dehors. Mais le calcium, ça peut vite être le bordel et il y a des plantes qui ne le gèrent pas du tout, c'est les plantes calcifuges. Bon. Donc le calcium est un vrai problème. Ah oui, par contre, on ne dit jamais pourquoi le calcium est un problème. C'est marrant ça. Pour la plante, en fait, l'histoire est la suivante. Vous avez eu cette espèce de fine pellicule que j'ai appelée la membrane, qui est vraiment l'ultime limite de la cellule. Elle est faite de molécules qui sont côte à côte. Et ces molécules doivent être capables de circuler dans la membrane pour que ça fonctionne bien. Pour que quoi fonctionne bien? Et bien notamment, toutes les protéines qui servent à pomper la bouffe dans la cellule. Donc la capacité d'une cellule à absorber des choses dépend du fait que dans la membrane, les réorganisations se font librement. Sauf que quand vous amenez le calcium avec ces deux charges, okay, ben il traîne dans cette membrane des molécules qui sont chargées négativement. Allez, voilà. Ok. C'est pas pire que le savon. Je pense que le savon, c'est même pire. Parce que c'est plus souvent. Et donc, ces molécules doivent circuler librement, mais à un moment, elles vont se retrouver pontées. Ah ben là, elles ne peuvent plus s'éloigner. Vous y êtes? Donc, vous perturbez la fluidité de la membrane en capturant deux à deux toutes les charges négatives, toutes les molécules chargées négativement. Du coup, la membrane ne peut plus s'organiser de la façon qui habituellement est nécessaire à la capacité d'absorber de la bouffe. Du coup, bah vous obtenez des chloroses et des trucs comme ça qui sont des symptômes de dystrophie généralisée. C'est-à-dire ça entraîne des carences en plein de trucs. Parce que le fer rentre plus bien, le magnésium rentre plus bien. Bref, vous voyez qu'ensuite, en cascade, ça perturbe toute l'alimentation sur plein d'autres paramètres. Et même si votre sol, éventuellement, contient assez de fer, de magnésium ou d'azote ou de phosphate. C'est juste que vous perturbez le fonctionnement de la membrane. Sauf que, il y a des plantes qui tolèrent ça. Alors, sans rentrer dans le détail des plantes qui tolèrent ça toutes seules, il y en a qui tolèrent ça grâce à un champignon. Regardez ce diagramme-là. Il s'agit d'eucalyptus, un arbre pour le coup, pousse sur le calcaire aussi. Et vous voyez que quand il a des mycorhizes, c'est en noir. Quand il y a du calcaire, c'est en carré. Et quand il n'y a pas de calcaire, c'est des ronds. Alors, on va y aller pas à pas. En noir, c'est quand il y a des mycorhizes. Bon, le pin, c'est un arbre des régions tempérées, mais tempérées de l'autre côté, d'accord? De zones tempérées méditerranéennes d'Australie. Hein. Et il est ectomycorhizé. Alors, vous voyez, quand il y a des ectomycorhizes, en sol non calcaire, il pousse bien, et en sol calcaire, il pousse bien. Un peu moins, mais enfin, il pousse. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que l'eucalyptus, on peut le planter sur calcaire. Entre nous, en termes de foresterie, c'est parce qu'on fait de mieux. Mais enfin, c'est une autre histoire. Ils poussent quand même. Mais si on regarde les eucalyptus qui sont tombés quand Klaus est passé en Europe, c'est souvent sur les sols calcaires qui sont tombés, les eucalyptus. Bon. Donc, ils ne devaient pas être aussi en forme que ceux sur sol non calcaire. Et d'ailleurs, on le voit, mais ce n'est pas gravissime. Bien. Maintenant, je peux aussi faire pousser ces eucalyptus sans calcaire. Je peux les faire pousser sans calcaire avec des sans mycorhize. D'accord? Si je me mets en sol non calcaire, je vois que mon eucalyptus pousse moins qu'en sol non calcaire avec des mycorhizes, il pousse, disons, deux fois moins. Mais il pousse. C'est ce qu'on a dit, les ectomycorhizes, c'est important. Mais enfin, lui, il survit. Il pousse simplement deux fois moins bien en sol non calcaire. En sol calcaire, si on lui retire ses mycorhizes, il pousse presque, oui, dix fois moins, enfin, il pousse plus, quoi. Donc, quelque part, si l'eucalyptus peut pousser sur le calcaire, c'est s'il a des champignons mycorhiziens. Et il y a beaucoup de plantes calcicoles qui perdent cette capacité. C'est aussi le cas du chêne.
c'est le cas des pins également, ils perdent leur capacité calcicole s'ils n'ont pas de champignons. Ce qui n'arrive jamais. Puisque la nature est bien faite, en tout cas, on ne peut pas imaginer qu'un truc ait besoin de quelque chose qu'il ne trouve pas. La plupart du temps, en fait, les plantes se mycorhizent et beaucoup des plantes calcicoles sont, en fait, on dit symbio-calcicoles. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne sont calcicoles qu'avec le champignon. Donc des plantes symbio-calcicoles. Il y a quelques plantes qui sont calcicoles toutes seules. Mais une bonne moitié des plantes calcicoles doivent à la symbiose avec le champignon la capacité à vivre en milieu calcaire. Parce que le champignon protège. Alors vous allez me dire, mais comment il protège? Bon, bah déjà, quand c'est une ectomycorhize, il n'y a pas photo. Les parties de la cellule, de la racine qui sont vivantes, ne sont pas au contact du sol. Pourquoi? Soit elles sont entourées, parce que c'est une racine qui est un peu vieillie, d'une espèce d'écorce. Ok? Soit elles sont entourées d'un manchon de champignons, quand elles sont jeunes et que les cellules superficielles sont vivantes. Ah oui, ça fait plusieurs millions d'années que les pins n'ont pas vu de calcaire. Vous y êtes? Parce qu'ils offrent au sol soit de l'écorce, soit de la mycorhize. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, pour mes plantes endomycorhizées, là, il n'y a pas un manchon de champignon. Comment ça marche? Ça marche aussi. Parce que le champignon produit une molécule qu'on appelle l'oxalate. Et alors l'oxalate, c'est une molécule toute simple qui est formée de deux acides organiques. Deux fonctions acides organiques. Et ça... C'est ce double anion, quand le calcium arrive, il se fixe dessus et ça précipite. On a fait pousser ici un champignon dans un milieu riche en calcium. Le champignon produit de l'oxalate et ça fait pousser des cristaux dessus. Donc, il y a du calcium, mais comme il n'est pas soluble, eh ben, il ne peut pas aller enquiquiner les membranes. Vous y êtes ? Il ne peut pas aller faire le truc qu'il ne faut pas faire à une cellule. Et ça marche même avec les endomycorhizes. Une sorte, on inerte, on ne rend pas bioaccessible le calcium. Alors, il y a plein d'autres mécanismes. Il y a aussi des mécanismes de pompage vers l'extérieur. Mais l'un dans l'autre, la résistance au calcium, c'est souvent une histoire de champignons. Donc, vous voyez que ça touche à de la protection par rapport à des agressions physico-chimiques. Dans des sols acides où il y a beaucoup d'aluminium, eh bien, les mycorhizes protègent contre l'aluminium. Bien. Maintenant, les mycorhizes protègent aussi contre les pathogènes. Et là, ça va être notre gros morceau, parce qu'en fait, la santé de la plante est notamment construite avec les champignons. Regardez. On a ici une expérience où on a des camécyparis. Alors, les camécyparis sont des arbres, mais c'est des arbres avec des endomycorhizes. Donc, on retombe sur des mycorhizes... de type écosystème agricole. Alors, là, c'est le temps qui passe. Et pour prendre ce diagramme, vous avez des arbres qui sont en noir endomycorhizés. En blanc, c'est des témoins non endomycorhizés. Et à la flèche rouge, on leur balance un pathogène racinaire, un phytophthora, qui, en gros, bouffe les racines. Et on voit, ensuite, on compte le nombre de morts. On regarde et on compte les morts. Alors, quand c'est mycorhizé, vous voyez qu'en fin de cycle, il y a un petit 5% de mortalité. Il y a 95% de survivants. Oui, en fait, on compte les survivants. Quand il n'y a pas de mycorhize, regardez, il y a plein de morts et il reste 5 à 10% de survivants. On voit que la résistance à ce pathogène racinaire est forte quand il y a des mycorhizes et très très faible quand il n'y en a pas. Alors, petite manip supplémentaire, ici on refait la même chose. Sauf qu'au lieu que les champignons mycorhiziens aient été inoculés avant la manip, quelques semaines avant, et donc aient eu le temps de s'installer, ici on inocule simultanément le mycorhizien et le pathogène, dans le cas noir. Et vous voyez que quand on inocule simultanément le champignon mycorhizien et le pathogène, ou le champignon pathogène et rien du tout, eh bien, même résultat. Alors c'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas la présence du champignon mycorhizien qui compte. Puisque quand on regarde les points noirs là, quand il est là, quand il a été juste amené en même temps, on est malade quand même. Ce qui compte, c'est la mycorhize. C'est que l'interaction soit établie. D'accord? Pardon. Tout à l'heure, si vous avez présenté un exemple d'arbre qui poussait
pas bien, même après inoculation, parce qu'il avait commencé les premières années de sa vie sans inoculum. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que là, ce serait ce genre d'explication? C'est parce que... Alors, en fait, souvent, ces arbres, ces manips sont faites dans des milieux assez riches parce qu'on ne veut pas avoir d'artefacts du genre la plante pas mycorhizée, elle est crevarde. D'accord? Donc, ça peut être vu comme un biais, hein, mais on se débrouille quand même pour que y ait dans le sol assez d'éléments nutritifs. C'est des manips en pot, hein, pour essayer de comprendre ça. Donc, c'est en plus des écosystèmes assez simplifiés, quoi. Mais l'idée, c'est qu'on se débrouille pour qu'ils soient assez bien nourris, tu vois, pour pas être... voilà, pour que ce ne soit pas évidemment les avortons. Oui. Après, c'est vrai que souvent, les auteurs ne contrôlent pas trop ça. C'est rare qu'il y ait un contrôle dans un coin qui dise « Ah, au fait, on a regardé la teneur en azote, en phosphate, on a regardé la croissance et j'ai pas de différence. » Il peut y avoir un effet marginal dans des manips comme ça où si ça merde avec la plante non mycorhizée, c'est qu'elle est un peu plus souffreteuse. Mais du coup, il y a quand même des mycorhizes malgré le fait que ce soit un milieu riche. Oui, alors ça par contre, on le vérifie et on verra, c'est un challenge. Sa question reporte à quelque chose qu'on va voir après, et peut-être que quand on le reverra, on pourra revenir sur le sens à donner à ce genre de manip. De toute façon, il faut tout bien réaliser un truc. C'est que quand vous faites un contrôle où vous n'avez pas de mycorhize, c'est une plante qui n'est pas dans les conditions ordinaires. Et ce n'est pas tellement étonnant qu'elle déconne. Hein. Et c'est ce qu'on voit là, en termes de défense, elle déconne. Bien, alors, arrivé ici, je vous propose qu'on regarde un petit peu plus comment les champignons mycorhiziens peuvent défendre les racines. D'accord? Alors, je vais vous montrer deux images d'ectomycorhize. Et puis après, on va généraliser. Vous allez voir que pour les endos, en fait, c'est pareil. Alors, j'ai ici une image. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, regardez cette racine-là avec ectomycorhizée de pain, elle est en cœur. Hein, et je vous dis, c'est du lactaire délicieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les lactaires, si vous avez déjà ramassé ces champignons-là en forêt. Ces champignons qui, quand on les coupe, ils font du lait. Il y a du jus qui coule. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté jus, mais dans les trois quarts des espèces, quand on le goûte, c'est brûlant, amer. Et bien, c'est comme les latex. C'est une jolie convergence évolutive, d'ailleurs. C'est comme les latex de laitue ou de forbes. Le jus qui gicle, il est bourré de merde. C'est-à-dire, il est bourré d'alcaloïdes, bourré de terpènes, bourré de tanins. C'est un truc de défense qui gicle dès qu'il y a une agression. C'est quelque chose qui est fait pour être pas comestible. Et de fait, il y a beaucoup d'espèces de lactaires qui ne sont pas comestibles. Alors, l'exemple est peut-être mauvais ici parce que nous, le lactaire délicieux, ben, il se mange. Cela dit, cru, il est quand même super... on ne mange pas cru d'ailleurs. Hein. Avant cuisson, il est quand même un peu amer. Hein. Bien. En fait, il y a des filaments de champignons qui sont devenus énormes et qui ont accumulé ce latex, et quand on casse, et ben ces filaments, ils se vident. C'est la même chose dans la laitue. Il y a des cellules qui sont bourrées de latex, quand on casse, elles se vident. C'est juste que ces filaments sont bourrés de latex sous pression. Pourquoi je vous raconte ça? Ben parce que cette image où je vois ces gros filaments bourrés de latex, elle n'a pas été réalisée là. Elle a été réalisée dans le manteau, là. Il y a aussi... dans les mycorhizes à lactaire, du latex. Et c'est mon meilleur exemple pour vous dire, les défenses du champignon sont mobilisées pour défendre la racine. Par exemple, la capacité à faire du latex. Mais ça peut être des trucs plus subtils, comme la production d'antibiotiques. Ça ne se voit pas au microscope. Donc déjà, le champignon lui-même peut directement empêcher les pathogènes de s'installer en produisant des toxines, produisant des antibiotiques. C'est le premier niveau de défense. D'ailleurs, quand on regarde une ectomycorhize, le champignon, il fait une première chose, c'est qu'il fait un écran, qui est le manteau. Donc, il y a l'effet direct du champignon. Mais, et alors c'est là que c'est super important, et ça explique d'ailleurs que ce soit la mycorhize qui défende et pas que le champignon, il y a une deuxième chose. C'est que le champignon modifie la plante. Et alors ça... c'est un peu plus difficile à percevoir, mais il faut comprendre que la plante fonctionne plus pareil quand elle a rencontré le champignon et qu'elle se défend mieux. Et je vais vous montrer deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle la prémunition. Ce n'est pas la prémonition, hein.
pas que la plante imagine les pires ennuis et se prépare au pire. C'est la prémunition, c'est que elle est plus équipée. Regardez cette image. C'est une image où on a coloré avec le colorant bleu qu'adorent les mycologues. Voilà. Celui-là. Bon, c'est du bleu sombre. Hein. Ce colorant bleu, il a coloré le champignon, mais regardez. C'est pas un colorant. C'est un colorant à large spectre. Hein, il colore plein de choses. Et là, pour le coup, il a coloré le contenu des cellules les plus superficielles. En fait, ces cellules accumulent à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur vacuole, donc dans un compartiment spécial, des tanins. Et vous savez que les tanins, bon, c'est pas très bon pour la santé quand on en mange trop, c'est antibiotique, c'est anti-herbivore, c'est anti-tout. Alors là, c'est pas gênant, pourquoi ? Les tanins sont paisiblement dans la vacuole de la cellule, qui occupe à peu près tout le volume de la cellule d'ailleurs, hein. Mais ils sont dans leur vacuole, il se passe rien, ça n'abîme pas cette cellule, et ça n'abîme pas le champignon qui rentre pas. Sauf que leur présence a pré-induit l'accumulation de tanins. S'il y a un nématode qui arrive niaquer ça, là, ou si un pathogène commence à détruire tous les tissus, qu'est-ce qui va sortir ? Des tanins, et beaucoup plus que s'il n'y avait pas de champignons. Donc en fait, vous augmentez le niveau constitutif, le niveau de base de défense. Mais ce n'est pas tout. Vous avez un autre mécanisme qui joue. Déjà, ça, ce serait énorme. Est-ce que c'est clair ou pas ? Ouais, non, là, j'ai approché. Mais vous dites que c'est beaucoup plus que quand il n'y a pas de champignons. Bah, dans les zones les plus internes où il n'y a pas trop de champignons, on voit que les cellules sont translucides. C'est les cellules au contact du champignon qui se mettent à réagir comme ça. Et du coup, elles sont plus, leur niveau de défense constitutif est plus élevé. Mais vous avez remarqué que c'est sans préjudice pour le champignon mycorhizien, puisque lui, il n'abîme pas la cellule, ça ne sort pas. C'est pour... mais en fait, les cellules internes, elles sont quand même au contact du champignon. Bah, un peu moins. En tout cas, je ne sais pas quelle est la cuisine, là, mais visiblement, celles-ci, elles ont accumulé, celles-là pas. D'accord. Bon. C'est ce que dit la coloration. Mais il y a quand même un gradient, hein. Ouais. Un peu, beaucoup, très beaucoup. C'est pas très bien connu dans le détail. Hein. Mais là, il y a bien un gradient entre la surface et le fond. Et souvent, quand on coupe des mycorhizes d'arbres, tout autour, c'est noir. On voit. C'est pété de tanin. Ça arrive que chez les ectos ? Alors, ça arrive un peu chez les endos, rarement à ce point-là. Mais les endos arrivent, c'est promis. Parce que justement, mon exemple du deuxième mécanisme, il vient des endos. C'est ce qu'on appelle... Alors moi, je donne ces noms, hein, ce n'est pas forcément les noms que donnent tous les collègues. La stimulation immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire est plus réactif. Là, ce n'est pas qu'il est plus réactif, c'est que les défenses sont déjà accumulées. Donc, quelque part, c'est bien pour réagir, mais c'est statique, ça. Une fois que c'est accumulé, c'est accumulé. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que les défenses sont stimulées. Et alors, faites attention à ce qui va se passer. On va quitter la racine. Et là, c'est là que ça ressemble à un tour de magie. Parce que le champignon mycorhizien est dans la racine, d'accord ? Alors, attention, tour de magie, on va prendre du tabac. Le tabac, c'est la famille de la pomme de terre, c'est une plante endomycorhizée. Et on va le prendre mycorhizé ou pas. Alors ça, c'est des manips de Maria Pozzo à Grenade. C'est une fille qui fait des trucs extraordinaires là-dessus. Et elle prend son tabac, soit non mycorhizé, soit mycorhizé par un gloméromycète qui s'appelle glomus mossé, mais on s'en fout, donc il est avec ou sans mycorhize, dans un sol assez riche pour que... Alors elle vérifie, parce que c'est vraiment une nana, elle est classe. Hein. Elle vérifie le niveau de nutrition, le niveau de colonisation, elle standardise bien tout. Et une fois que c'est fait, elle leur fout deux spots par feuille d'inoculation de botrytis. Vous savez, c'est la pourriture grise, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et il regarde la taille de la lésion, petite comme là, ou grande comme là, vous voyez tout ce qui est noir. Et bien ce qu'elle voit, c'est qu'alors qu'elle travaille sur des lignées élites de tabac, donc tous les tabacs, tous les plants sont identiques. C'est des lignées élites. Bon. Et bien il y a plus de feuilles endommagées, regardez, quand il n'y a pas de mycorhize, que quand c'est mycorhizé. Pourquoi ? Alors déjà, elle va regarder la quantité de champignons. Avec un moyen qui techniquement est un peu compliqué, il regarde l'intensité d'expression d'un gène du champignon, et plus c'est intense, et plus il y a de champignons. Et vous voyez qu'effectivement, quand c'est pas mycorhizé, au cours du temps, l'inflexion flambe. Il y a de plus en plus de champignons.
du moins tel qu'on peut l'estimer par l'expression de ces gènes. Alors que quand c'est mycorhizé, bah, c'est pas top et ça plafonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les plantes, quand elles sont attaquées, elles allument des défenses. Et là, on n'est pas dans la prémunition, hein, on est dans les défenses allumées. Elles, alors, je vous en ai mis une seule ici, de défense. La protéase PIN2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéase? C'est une enzyme qui découpe les protéines. Et quel est l'intérêt de découper des protéines? Bah, le champignon, pour détruire les tissus, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des enzymes pour les digérer. Si vous émettez une protéine qui coupe les protéines, bah, vous découpez les enzymes du champignon, vous le désarmez, quoi. Donc on étudie ici, parmi d'autres, hein, il en a étudié plein, un gène qui va s'exprimer pour donner une protéine qui va couper les enzymes du champignon et donc son pouvoir de nuisance. Et aussi sa digestion d'ailleurs, puisqu'il digère avec ses enzymes le champignon. Ça va? Et bien ce que vous voyez, c'est que cette protéine de défense là, qui désarme le champignon, chez les non-mycorhizés, ça s'accumule, ça s'allume comme défense. Mais c'est faiblard. Chez ceux qui sont mycorhizés, ça s'allume vite et fort. C'est bel et bien une stimulation du système immunitaire. Ici, on n'est pas sur un niveau de défense de base qui est plus haut, ce qui était le cas tout à l'heure. On est sur une réactivité plus forte. Alors, comment ça marche? Grosse boîte noire. Hein. Maria est en train de remonter sur les systèmes hormonaux qui font ça. Elle a quelques pistes, mais on ne sait toujours pas le lien en mycorhize. Pardon. Oui, c'est ce qui me surprend maintenant, c'est que là, l'expérience est sur des feuilles. Oui, c'est bien de souligner ça, oui. L'ectomycorhize, elle est sur les racines. Alors là, c'est une endomycorhize. L'endomycorhize, elle est sur les racines, et là, on voit une action sur les feuilles, ou a priori, le... Vous avez dit, je vous ai parlé de tour de magie. Alors, attention, hein, et c'est le moment de prendre position vigoureusement. Il y a des tas de gens qui montrent des tours de magie. Moi, je connais des forestiers allemands qui en font même des best-sellers. Moi, comme scientifique, je ne vois pas le tour de magie. Je vois surtout l'entourloupe. Ok ? Il y a des tas de trucs qui se disent aujourd'hui qui sont de la foutaise. Mais ça, c'est des résultats qu'on peut multiplier à l'infini. Alors, je ne vais pas le faire, parce que... mais ça, c'est du dur. C'est des trucs établis par plein d'équipes indépendantes. Je change d'équipe, je change de modèle. La tomate. Mais je vais revenir à cette question, je ne l'élude pas. Simplement, c'est vrai que c'est bizarre. On est à des lieues, physiquement, du champignon. Il n'y a aucune trace de... Je suis dit, aucun filament. Comme on l'a dit, les filaments, ils colonisent que la partie périphérique de la racine, jamais plus. Non, mais je vais vous donner des clés pour ça, après. Mais disons déjà, arrivé à ce stade, que le champignon, il peut émettre des molécules modificatrices. On sait que les bactéries de notre tube digestif peuvent modifier notre satiété ou notre appétit. Elles ne sont pas dans le cerveau, hein. OK, mais des signaux à distance, ça peut faire le boulot. C'est facile de manipuler à distance. Il suffit d'émettre les bonnes molécules. Et que le partenaire se laisse faire. Sur le principe même de... C'est le principe du parfum en boîte de nuit. Hein. Sur le principe même de la tolérance de la plante à l'endomycorhize, est-ce qu'il n'y a pas une lutte, en fait, pour que la plante ne soit pas entièrement colonisée par l'endomycorhize? Justement, la clé que je vous ai donnée tout à l'heure, elle va aborder ce point. Mais c'est clair, il ne faut pas se laisser faire. Ouais. Et il y a un niveau de tolérance à la colonisation au-delà duquel ça se passe mal. Et qui ferait que du coup, comme elle est habituée à déjà lutter un peu contre son endomycorhize... Ah, une sorte d'entraînement. Est-ce que du coup, elle ne réagirait pas très vite en cas d'autre attaque pathogène où elle dirait non, c'est bon, là, ça suffit? Ouais, mais on sent bien qu'il y a un problème qui est qu'on est plutôt sur la tolérance limitée, d'accord, mais quand même la tolérance dans la racine, alors que quand on est attaqué, c'est plutôt zéro tolérance le but. Donc on n'a pas la même réponse aux champignons mycorhiziens sur la racine et aux pathogènes en haut. Mais je vais juste vous montrer un autre exemple, et puis après, je vous montrerai une clé pour comprendre comment ça marche, peut-être, mais en réalité, il faut admettre aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et là, on ne sait pas l'expliquer. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien connu qu'une plante colonisée, au niveau de ses racines, se défend mieux ailleurs. Donc on va revenir un peu sur le mécanisme, vous pourrez encore reposer des questions à ce moment-là, si ce n'est pas convaincant. Mais pour l'instant, j'ai juste foutre une chenille, d'accord, sur une tomate. Bon, vous allez me dire, c'est la même famille, toujours la famille de la patate, mais enfin bon. Ok, alors donc voilà, donc ça c'est des travaux d'une équipe hollandaise, hein. On ne change pas de continent, mais on change de crèmerie. Et on va mettre un score de dégâts sur toutes les feuilles des plantes, après attaque. On fait la même attaque sur des plants mycorhizés
ou non mycorhizé. Donc non mycorhizé ou mycorhizé. Bah, vous regardez, la catégorie 0 dégâts est plus abondante quand c'est mycorhizé. La catégorie faible dégâts est moins abondante. La catégorie dégâts intermédiaires, un peu moins. Légèrement plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit significatif, pour la catégorie dégâts totaux. Et au total, quand vous faites un Ki 2, bah, vous apercevez qu'il y a une différence significative entre les deux traitements. Donc il y a un effet, même sur des herbivores. Et en réalité, c'est aussi un effet que les feuilles sont beaucoup moins mangeables parce qu'elles allument plus vite, elles mettent en place plus vite tout un tas de composés, notamment des tanins toxiques. Et alors, une fois de plus, là où c'est un tour de magie, là où c'est inattendu, c'est qu'on est très loin du champignon. Mais alors, nous, les plantes qu'on cultive, à ce niveau-là... Bah, s'il n'y a pas de mycorhiziens, elles sont plutôt comme ça. Oui, mais s'il y en a, ça veut dire qu'on potentiellement on mange aussi des plantes qui sont moins bonnes. Ah non, parce que ça, c'est si on mange bon les racines. Pour la chenille, hein. Non, parce que ça, ce serait grave. Mais ça, c'est pas grave. Parce que la plante, quand on l'arrache, on lui donne pas le temps de faire des conneries. Hein. On l'arrache et c'est fini. Ok, donc ce que je veux dire, c'est les prémunitions, ce serait grave. Parce que c'est vrai que là, du coup, il y aurait plus de toxines partout. Mais on a vu que ça jouait surtout dans la racine. La capacité à répondre vite, bon, ben, plante récoltée se calme. D'accord ? La chance, c'est pas grave. Cela dit, une vraie question est de savoir si effectivement les plantes non mycorhizées ne sont pas préférables en termes de plus faible niveau de toxines végétales. Et là, ça n'a pas été trop éprouvé, mais je connais cette question parce que je l'ai déjà eue. C'est une question de bon sens, effectivement. Et il n'est pas impossible qu'une plante mycorhizée soit légèrement plus toxique ou légèrement moins bonne, légèrement, pour les foies et les reins qu'une plante non mycorhizée. J'avais une idée par votre Diana Well. Ah oui, que je ne connais pas trop, oui. Et qui dit. Qu'en fait, l'accumulation de. C'est pas oui. Bouquin, c'est très bien. Qui raconte qu'en fait l'accumulation de tanins et d'autres molécules en réponse à des stress induites par les mycorhizes, ce serait plutôt bénéfique pour la santé parce que rôle antioxydant, des trucs comme ça. Oui, alors dans les tanins qui peuvent être accumulés, il y a des choses comme le resvératrol qui sont des antioxydants. Bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas essayer d'espérer de dire c'est bon ou c'est mauvais. En fait, dans ces molécules, il y en a qui... Parce que nous, on n'est pas la cible majeure. Donc, ce que ça fait sur nous, ce n'est pas la fonction de base de ces molécules. Et donc, dans ces molécules, il y en a qui seront bonnes ou neutres et d'autres qui seront... Ça, c'est dur de généraliser. Mais je pense qu'il y a des deux, en fait. Et... Non, mais indubitablement, il peut y en avoir des bonnes. Mais il peut y en avoir des mauvaises aussi. Et donc, on pourra reprendre cette discussion à un certain moment, mais je pense qu'on change juste les toxines. Je vais vous dire, hein, si on parle du bio un peu plus tard, je vais vous dire que manger bio, c'est choisir les toxines. C'est pas éliminer les toxines. Non. Je note dans un coin qu'il faut qu'on reparle du bio et qu'à ce moment-là, on verra que le monde n'est pas bien fait. Il y a toujours des emmerdes. Et en fait, on choisit les emmerdes. C'est un truisme, d'ailleurs. C'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas manger bio, mais il faut manger bio les yeux grands ouverts. On reviendra sur le bio, hein, c'est promis, parce que clairement c'est une perspective d'avenir, mais il y a une condition. On va revenir sur le bio après. Voilà, bon, alors donc, comment ça marche, on ne sait pas, je vous donnerai des pistes plus tard. Je vais juste vous dire qu'au passage, le champignon se protège aussi dans la racine. C'est pas pour rien que les champignons mycorhiziens mettent leurs réserves dans la racine. Ils ont moins de chances de se les faire choper par un... brouteurs de champignons que s'ils les mettent dehors. Et c'est la raison. Un colimbole. Oui. Colimbole sont friandes. Colimbole, oui, les vers de terre, les mythes. Tout ça, c'est que c'est friande. Donc, il vaut mieux foutre ces réserves. Oui. Et donc, l'interaction, n'est-ce pas, est une interaction à bénéfice réciproque aussi en termes de protection. C'est donc une interaction complexe qui joue sur l'état phytosanitaire.